Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo en direct de ma voiture. J'ai été chercher ma soeur à la fac, elle est juste là parce que j'ai pas réussi à mettre le bidule en place avant. Il a fallu que, voilà, j'ai pu le mettre que quand je me suis arrêtée. Vous voyez mon petit désodorisant, il vient de chez Action, il est trop bien, c'est celui cocktail de fruits, ça sent trop trop bon. Donc du coup aujourd'hui je vais essayer de vlogger. J'ai essayé parce que vous savez que je suis pas très à l'aise avec ce format de vidéo, mais voilà, je sais que vous aimez ça, donc je vais faire un effort et puis peut-être qu'à force je vais me familiariser avec avec le format vlog, on sait jamais, hein, tout peut arriver. Donc du coup là on va à la Toison, je sais même pas par où passer. On va aller prendre la rocade à Quetigny. Et en fait aujourd'hui c'est la sortie de l'iPhone XR et ma soeur va en acheter un. Vous allez, je suis sûre que je vais avoir plein de commentaires me disant le truc là c'est trop énervant, enfin voilà. C'est pareil, on voit encore ça. Voilà, je l'ai enlevé parce que sinon je sens les commentaires haineux. Donc du coup voilà, on va aller à la Toison, on va déjà voir s'il y est, parce qu'en fait quand on pouvait le précommander il y a une semaine, on pouvait le retirer aujourd'hui en magasin, sauf que là c'est depuis quelques jours, enfin depuis lundi plus exactement, donc là on est vendredi, on peut plus le retirer aujourd'hui, jour de sa sortie. Donc du coup elle est un peu en stress et tout, moi je me dis quand même pour la sortie ils doivent avoir quand même des stocks disponibles qu'ils ont conservé pour la sortie de l'iPhone, mais je sais pas, donc du coup on va voir ça. J'ai toujours pas peur, je sais pas, je crois qu'il fallait que je tourne par là, mais il y a des voitures, je peux pas, donc du coup voilà, je vais essayer de mettre là. Il fait froid quand même aujourd'hui, hein. Je sais pas chez vous comment c'est, mais nous il fait froid. Donc du coup ce matin je me suis réveillée tôt, mais je suis resté un peu sur mon téléphone. Ensuite j'ai déjeuné, j'ai pris ma douche, voilà, je me suis à peu près coiffée, maquillée très vite fait, donc du coup voilà, j'ai même pas eu le temps de mettre deux couches de mascara parce qu'elle m'a dit qu'elle finissait en avance. En général ce cours là il se finissait en avance, le prof laissait partir avant. Donc voilà, et le rouge à lèvres c'est un que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent NYX, il est trop joli. Bon, moi j'ai un peu du mal à le mettre, mais ah puis là je peux pas tourner. Mais voilà, donc du coup je pense que je vais vous laisser là et puis on se retrouve à l'Apple Store. Voilà, on va arriver. Il fait chaud, j'ai mis le chauffage, il fait trop chaud maintenant. T'es impatiente, Amanda? Ah ouais. Elle pense qu'il n'y en aura pas. Elle est un peu dégoûtée. Mais en même temps, elle n'a pas voulu le précommander parce que, comme il y a différentes couleurs, vous savez, il y a noir, blanc, jaune, bleu, corail et quoi d'autre? Rouge. Et c'est pas vraiment noir en photo, je l'ai dit. Elle sait pas en photo. On voit pas vraiment ce que ça donne la vraie couleur, donc du coup elle préférait les voir pour savoir lequel elle fait, quoi, parce qu'après c'est pas un petit achat anodin non plus. Alors on est arrivé. Elle est impatiente, moi non, parce que je ne vais pas en acheter. Enfin si, je suis quand même impatiente de voir à quoi il ressemble, puisque je pense peut-être en prendre un après. Surtout que je ne sais pas si je vous avais dit, mais l'autre jour, fin septembre, juste avant ma rentrée scolaire, il est tombé mon téléphone et il a cassé. L'écran est cassé. Ah si, je crois que je vous l'avais dit. Et du coup, je suis vraiment dégoûtée.
Donc voilà. Mais je me dis, c'est bien aussi le format vlog, parce que ça permet de vous parler de choses que je vais pas vous parler dans un hall ou quoi. Surtout que dans un vlog, vous êtes censé vous attendre à ce que je vous parle de tout et de rien. Alors que si je dis un truc dans un hall, je renifle un dentifrice, c'est bon, c'est l'hécatombe en commentaire. Donc du coup, bah voilà, je me dis que c'est plutôt pas mal. Vous voulez voir ma soeur comme elle est contente? Non! Non, t'es pas gentille! Mais non! Alors regardez le sourire, là elle veut bien qu'on la filme parce qu'en fait elle l'a eu avec des péripéties parce que la carte ne marchait pas. Pourtant elle avait fait super gaffe à ce qu'à augmenter les plafonds, enfin à pas faire de paiement pour avoir assez en plafond et tout. Et ça a pas marché, il a fallu téléphoner et tout. Ah là là, le stress, paiement refusé. Ouais, deux fois. On le connaît tous ce stress là. Donc du coup, voilà, là on va aller manger parce que je sais pas quelle heure il est. Tu peux regarder. Ah ouais, il est presque 1h05. Voilà. Donc du coup, on va aller manger. Elle est super contente et elle a pris couleur corail. Il est trop beau. On les a vus, ils sont tous très beaux. Et normalement, il devait pas avoir de stock et finalement, il y en avait. Oui, il y en avait. Je vous ai pas filmé dedans parce que du coup, avec les péripéties, j'ai pas pu. En plus, normalement, c'est interdit dans l'Apple Store. Donc voilà, on se retrouve à table. Sorti, on a mangé à Five Guys, mais on pouvait pas filmer. Enfin, il y avait du bruit et tout ça. On a du mal à s'entendre là-bas. Et puis, c'était la première fois qu'on y allait. C'était un petit peu compliqué pour choisir et tout ça parce que c'est super speed et on connaissait pas. Mais voilà, on a mangé un burger. Moi, j'ai pris un little bacon hamburger. Et ma sœur a pris un little cheeseburger, voilà. C'était bon. Les frites, ils les font eux-mêmes. Ils coupent les pommes de terre, voilà. Donc là, on va rentrer et puis ben, on se retrouve à la maison. Bon, ben, je vous reprends. Je voulais juste vous dire que mon rouge à lèvres a quand même pas mal tenu malgré le fait que j'ai mangé. Donc là, je suis dans ma chambre. J'étais en train de ranger un peu mon pot à crayon trié parce que du coup, il y en a tellement dedans que je me sers de rien. Donc je vais vous montrer. Donc voilà mon bureau, à quoi ça ressemble. Et puis normalement ça qui vient de chez Action, il va là dans le coin. Mais là il y avait tellement de choses dedans, je m'en sers jamais quand je suis à mon bureau. Donc du coup j'essaie de trier un petit peu. Donc voilà, j'ai mis les crayons de papier, crayons de couleur ici, crayons en couleur quoi, les spéciaux au milieu. Là j'ai mis tout ce qui est crayon bleu. Là j'ai un petit taille crayon, je vais ajouter une gomme, etc. Là je pense, parce qu'en fait ici on peut rien mettre, enfin les crayons ils tombent. Vous voyez ça tourne, j'ai encore deux cases de vide là, mais je peux rien en faire. Une petite photo de ma sœur. Donc voilà, je triais un petit peu tout ça. Là j'ai encore un pot avec des feutres qui changent de couleur. Une règle et puis voilà les feutres, vous savez, vous passez une couleur dessus puis ça fait d'autres couleurs. J'ai tous les stabilos là, je les adore mais... Pareil, comme il y a toujours des choses devant, bah, je peux pas m'en servir. Là, j'ai ce meuble en bois de chez Action. Je vais vous montrer si vous voulez ce qu'il y a dedans. Donc là, j'ai des stabilos. J'ai mes petites photos La Lab, les mini vintage. Là, j'ai des vintage classiques. J'ai l'album photo que j'avais pris aussi, que j'avais fait faire. Trop mignon. Le Polaroid, je l'avais gagné à un jeu McDo, Monopoly McDo. D'ailleurs, en ce moment, il y en a un nouveau. Mais ça marche pas comme les autres années, pour l'instant j'ai rien gagné. Bon là j'ai des gommes, des petits ustensiles. Là vous voyez c'est un peu dur d'accès. J'ai scotch, agrafe. Là j'ai des paillettes et puis des stylos gel de couleur. C'est pas très lumineux. Puis là, moi j'ai plein de petits post-it et tout ça. Et donc ensuite, bah, j'ai mes bijoux là, ma petite réserve de bonbons. Et puis là, j'ai un sac, c'est des choses que j'ai reçues AliExpress, Joom en fait.
Voilà, des petites feuilles, des post-it. Bon, ça, c'est ma trousse que j'emmène à la fac. Là, j'ai ma petite enceinte licorne que j'ai achetée il y a pas longtemps chez Action, du scotch, une agrafeuse souris que j'avais lue chez Ziman. En dessous, j'ai des trombones, des punaises. Voilà, mes bijoux, en ce moment, j'en mets pas beaucoup parce que j'en ai une paire que je porte très bien, pourtant, qui vient d'aller express. Puis, du coup, je les laisse. Ça, je vais la montrer sur Instagram, j'ai pas encore goûté. Les Skittles sans enrobage. Puis là, à côté, j'ai un sac, j'ai des choses que je voulais vous montrer. Enfin, je sais pas encore. J'ai la veste que je portais tout à l'heure. Enfin, j'ai pris marque, j'avais aussi acheté des bottes, enfin des cuissardes, mais sans talons. Elles sont plates, donc c'est plutôt bien. Donc je vais continuer de ranger ça. Je me rassois tranquillement. Je vais peut-être reprendre... ça, j'ai acheté récemment, c'est des stylos effaçables, je les ai achetés chez Action, donc il y a une collection princesse, donc c'était belle, et puis Olaf, voilà, et puis j'avais aussi pris des petites gommes, mais les gommes j'en ai trop, elles sont tellement mignonnes et ça vaut rien chez Action, du coup j'en achète tout le temps et je m'en sers pas. Donc j'ai pris les princesses, vous avez Belle, vous avez Cendrillon et vous avez Ariel, et puis j'ai pris Mini Mickey. Voilà, on avait pris deux paquets. Et puis c'est les en emoji, donc c'est trop sympa. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ces stylos-là, ils sont effaçables. Par contre, je pensais qu'ils écrivaient bleu, puisque à l'extérieur, enfin, sur l'emballage, il y en avait un rose et puis l'écriture était bleue. Mais en fait, non, ils écrivent donc ces deux-ci en rose. Ah non. Celui-ci en violet, c'est le même violet. Celui-là bleu, celui-là jaune, et ces deux-là rose. Qu'est-ce que tu fais là, dis donc? Qu'est-ce que tu fais? J'ai lavé mes chaussures, elles en avaient bien besoin, elles sont redevenues comme neuves. Parce que les semelles étaient toutes noires, enfin, il y avait des traces sur les semelles. Elles sont bien redevenues blanches. Puis je les ai aussi brossées, parce qu'en fait, elles avaient perdu leur couleur, mais c'était parce qu'il y avait de la poussière dedans. Donc voilà, on l'a déballé. Enfin, elle l'a déballé, elle l'a configuré. Ça a été un petit peu long de configurer avec son Apple Watch. Mais il est vraiment super, super beau. Voilà. Vous le trouvez comment vous? Vous auriez pris quelle couleur? Moi, j'avais un peu peur qu'il soit trop orange, mais en vrai... C'est un très joli corail et il est vraiment super super beau. J'espère que vous le verrez comme il est. Ça a l'air d'être pas trop mal là dans le retour que j'ai. Donc voilà, maintenant moi là je vais y aller parce que je dois faire de l'aide aux devoirs. Ce soir je vais rentrer me démaquiller puis je vais faire ce petit masque que je voulais faire ce matin mais j'ai pas eu le temps. Et surtout j'ai perdu la spatule. Est-ce que je l'ai mis à l'intérieur? Non, j'ai pas l'impression. Ah si, peut-être. Ah oui, je l'ai mis dedans donc ça va, je suis bête mais... Ah, je m'étais dit je l'ai perdu. Donc c'est le petit masque Sephora. Donc moi j'avais pris kiwi parce que c'est pour les peaux grasses. Donc vous ajoutez de l'eau minérale, il y a un petit trait là jusqu'au stop. Et puis voilà, vous mélangez. Je pense qu'on peut faire plusieurs utilisations avec. Et donc voilà, je vais faire ça ce soir. Il coûte 2,99€. Vous les trouvez dans tous les Sephora. Il y a aussi coco, il y a un autre parfum dont je me souviens jamais. Mais ça a différentes vertus suivant votre type de peau. Donc voilà, moi je vais faire ça, il m'a été envoyé par Sephora grâce à Octoly. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et puis voilà pour ce petit masque. Donc voilà, on va se quitter. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce vlog. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.